coach nous a présenté tout ça à la vidéo. On a vu qu'elle mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact, qu'elle jouait dessus. Et un jeu assez direct aussi. Donc, non, on était prévenus. Maintenant, je pense qu'on a manqué par moment de, pas de lucidité, mais voilà, pour jouer au ballon, c'est trop précipité. On est rentré dans leur jeu et ça favorise forcément le jeu islandais. Bah, déjà, sur l'agressivité, élever encore plus notre niveau de jeu. Je pense qu'on est capable de faire beaucoup plus. Mais je dirais que c'est un petit peu normal dans le sens où quand on commence à balancer un jeu direct, on ne peut pas être au premier, on ne prenait pas un ballon ni au premier ni au second, donc forcément on se faisait manger de partout. Et je pense que collectivement, techniquement on est meilleur, on doit perdre beaucoup plus, beaucoup moins de ballons, parce qu'en première mi-temps on a perdu trop. Et après jouer, quand en deuxième mi-temps on est rentré et qu'on a posé le ballon, c'était beaucoup mieux et on a réussi à les mettre en difficulté. Donc il faut qu'on s'appuie sur ce match, qu'on tire les enseignements positifs, mais aussi qu'on travaille sur les enseignements négatifs. Parce que l'Autriche, ça va être comme ça et on sait aussi à quoi s'attendre. Bah après, c'est l'appréciation de l'arbitre, mais je pense que ça peut siffler. Honnêtement, sur la faute où Laura prend la joueuse islandaise, je pense que ça peut siffler. Maintenant, je dirais pour une fois qu'elle a été en notre faveur. Parce que moi, je fais ma première faute alors que je prends le ballon, elle me met un carton, donc j'ai pas trop compris sur le coup, mais. Voilà, après elle arrive à siffler un penalty sur Amandine. Je suis assez loin donc j'arrive pas à voir s'il y a faute, mais Amandine a dit oui que la joueuse a vraiment tiré. Donc ça tourne en notre faveur, mais on doit être capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux dans le jeu. Et surtout quand on est prévenu, même si le premier quart d'heure on savait qu'ils allaient nous rentrer dedans. Mais à partir de la 20e minute, on avait mis des stratégies en place avec le coach. Mais on est rentré, on a continué à rentrer dans leur jeu et on doit faire beaucoup plus. De rester dans sa bulle, même si c'est difficile parce qu'on ne peut pas trop s'entendre sur le terrain. Mais de rester dans sa bulle, après, ça doit en tout cas nous donner des. Ça doit être positif pour nous, même si il y a eu beaucoup de public islandais. Mais avoir de l'ambiance, ça doit nous transcender. Ce qu'il faut améliorer. Pour aller au combat, pour aller au duel et se lâcher. Parce que pour moi, il n'y a pas de jeunes. C'est un groupe. On est ensemble, ancienne ou pas ancienne, c'est un groupe et on aura besoin de tout le monde. Et les jeunes, elles savent qu'elles ont leur place dans cette équipe.